fenêtre qu'il tire là, entre la caillou, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Mais un grand point pour nous porter pour assouer. Gouvernement américain remet par le pays d'Haïti yon lot pièces archéologiques que citoyens américains te possédé illégalement. C'est Bureau national ethnologie qui recevoit 400 pièces sa yo dans présence premier ministre Jean-Michel Lapin. Matériel archéologique sa yo doit reconserver dans Bureau national ethnologie. Focal, la collectif de dé présenté vendredi 14 février dans exposition sous thème Casal, mémoire de massacre sous Duvalier, une approche photographique pour commémorer massacre qui était fait dans la localité ça depuis 50 l'année. DJ international Alex Anif, en pile monde connaît sous nom DJ Oso City, rentré dans pays pour première fois mercredi 19 février. Dans la deuxième édition programme affiché au Captain Main vendredi Cap Vinila. C'est tout ça, nous allons développer, mais avant, nous prenons une pause. N'abtonne. Pour vos cheveux naturels, je viens vous proposer NAD, une nouvelle gamme conçue spécifiquement pour des cheveux bouclés, frisés et crépus. NAD, c'est aussi un shampoing qui lave très bien le cuir chevelu sans piquer les yeux. C'est aussi un gel qui dessine et maintient les boucles. Avec NAD, le parfum est facultatif car toute la gamme sent divinement bon. Pour ce qui est du curl plus NAD, la crème coiffante hydrate est le produit essentiel parfait pour vous coiffer et maintenir vos cheveux en bonne santé. NAD fortifie, nourrit et apporte de la douceur aux cheveux. Adoptez aujourd'hui la gamme NAD, shampoing, gel, leave-in, traitement, conditionneur, crème coiffante, des produits qui ne contiennent aucun sulfate, sans parabènes, sans huile minérale. NAD, le meilleur traitement pour cheveux aussi bien pour les filles que les garçons. Les produits NAD sont disponibles partout en Haïti. Arrêtez de vous casser la tête à vous demander comment choisir une bonne université en Haïti. Je vous recommande le meilleur établissement universitaire du pays, Université Saint-François d'Assise d'Haïti, USFA. Joindre travail pas facile ici. Pas gaspiller temps avec l'argent, non étudier n'importe côté. Université Saint-François d'Assise d'Haïti, c'est solution. Faculté de médecine, Faculté des sciences infirmières, Sciences de l'éducation, Faculté des sciences économiques et juridiques, Sciences informatiques, Faculté de génie, Faculté des sciences administratives et gestion des affaires, Faculté d'agronomie. Nous avons programme diplôme tout, laboratoire médical, pharmacologie, assistance administrative, comptabilité informatisée, technique bancaire, informatique bureautique, construction bâtiment, technique douanière. Et puis, il y a un paquet d'autres options. La faculté des sciences infirmières de l'Université Saint-François d'Assise d'Haïti est reconnue par le ministère de la Santé publique et de la population. Passez visiter dans une des deux adresses. 1. Rue Famosa, Delma 33, au soit 4, rue Charbonnière, Delma 33, à côté de l'hôpital universitaire La Paix. Téléphone 34 23 62 54, 32 25 20 96 et 32 27 36 12. Ou qu'à inscrire sur site internet nom www.usfa.edu.ht. Reconnu par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Université Saint-François d'Assise d'Haïti USFA, partons vers l'excellence. Je fais musique depuis 47 ans. Je toujours fait la souci pour m'offrir nous ça qui est bon. Depuis tout le temps, je représente Haïti avec professionnalisme, avec dignité, tout côté sous la terre. C'est comme ça que je respecte le pays avec Frémio. Mais si nous piratons le travail, si nous refusons de payer pour le travail, c'est parce que nous ne respectons pas. C'est parce que nous ne parlons pas. Et puis tout, chaque note que je compose, c'est une déclaration de l'amour pour nous. Respectez les droits comme artiste pour nous continuer à battre tout ça moins gagné en dedans pour nous. Première information, amis téléspectateurs, nous avons connaît en collaboration avec Focal, collectif de dé présenté à public la Casal, mémoire de massacre sous Duvalier, une approche photographique vendredi 14 février 2021. Document ça retrace événement tragique, mois mars 1969 là, pendant période dictative François Duvalier dans Casal, une zone dans nord capitale là.
Yon boukantay la parole te déroulé un photographe qui réalisait projet ça ak public qui te fait déplacement. An suivi un reportage Nixon Daverman ak Henri Robert Chéri. Rencontre ça visé sensibiliser chercher ak lot acteur dans domaine littérature sous importance document ça. Livre ça qui retrace moment tragique moun Kazal dans l'année 1969 pendant période dictature régime Duvalier entraînant cadre projet collectif d'aider réalisé sorti 2015 privé 2018 pour documenter tout moun dans affaire histoire pays a ak yon panel qui était composé trois membres dans collectif là Edine Celestin travaillait dans aspect lié ak mémoire fait yon approche sous démarche aboutissement livre là. 3 ans de cela, nous sommes partis à Kazal au nord de Port-au-Prince avec l'espoir de mieux comprendre notre histoire familiale et l'histoire occultée du pays. À Kazal, les mots pour dire la dictature sont vifs. Ils se déversent au cours d'un flot incontrôlable. Celui qui n'était pas né lors des événements porte lui aussi un souvenir brutal de ce qui s'est passé en 1969. Après une série d'échanges avec le public sous présentation livre-là, une projection photo avec témoignage sous projet a été déroulé pour occasion. Staff la annonce lab travail pour faire document ça, servir dans archive moun Kazal et puis faciliter jeunes dans l'autre pays à faire connaissance à clé d'après Georges Harry Rousier et Regina Louis Saint-Junior qui fait connaître, c'est un outil en plus pour enseigner sur l'histoire pays à. Le livre ça tout c'est parti sur 5 chapitres et chaque chapitre chita son thématique. Rapport de loi qui a causé et la terre à tout par rapport avec des paysans. Kazal, c'était des agriculteurs, c'était des paysans. Il a causé mystique là tout. Événement ça, c'était rapport Kazal avec Cabaret. Avant le livre imprimé, avant le livre là est définitivement imprimé, nous allons avec des séries de maquettes, montrer différents mondes qui sont dans la vidéo, différents mondes qui étaient témoignés pour vraiment pour ça a été. C'est à ce travail-là vraiment représenté. Est-ce que vous avez trouvé que le travail-là, c'est ça lié pour vous? Est-ce que le travail-là, pour vous représenter ça, vous-même, vous avez vu, ça vous avez témoigné. Donc, jusqu'à ce que nous jouions avec quasiment tout le monde, que nous imprimions le livre-là, il y a 2 semaines de cela, nous avons fait un ça, nous remettons le livre-là. Et encore une fois, ça a démontré que le travail, ça a été, contrairement à tout l'autre travail que moi t'ai fait auparavant, ça t'a montré un côté engagé là quand même. Edine Celestin, Georges Harry Rousier, Regina Louis Saint-Junior, c'est trois parmi 6 photographes qui travaillent dans l'élaboration projet pendant une période de 3 années. Divers monde dans milieu littéraire t'ai fait déplacement, viennent encourager travail professionnel ça yo. Merci Daverman et Henri. N'a pas poursuivre toujours avec information. Claudel Junior Jean-Louis et le maire Rafaela, c'est nos 2 jeunes auteurs qui fait Ventia Tilivio vendredi 14 février. L'exceptionnel, c'est un recueil poésie et À la croisée d'un cœur en fuite qui c'est un roman. Activité si la fête dans Pâques Midoré dans période Saint-Valentin. Plusieurs jeunes te vin supporter et puis fait connaissance à côté. Le reportage Garo Saint-Ilus avec André Chéri. Exceptionnel et à la croisée d'un cœur en fuite, c'est des ouvrages qui ont été rassemblés dans le Pâques Midoré, plusieurs passionnés littératifs, dans la date 14 février 2021. Exceptionnel, c'est un livre qui est censé un hommage à tout le monde qui m'a côtoyé. Il n'est pas obligé seulement un ménage, mais un monde qui a apporté mon bagage de positif qui permet que moi et Samia. Donc, je parle de ex, il est un peu plus large, c'est pas seulement un monde qui a une relation amoureuse avec moi, mais un monde qui est dans la vie qui peut-être parle encore, mais qui a appris mon bagage de positif. Le personnage principal a raconté différentes relations qu'il a gagnées et qui ça chaque relation a apporté de positif là quand même. Donc c'est pas toujours négatif là qui gagne, une relation crasée. En plus, nous avons de ce qui est négatif là seulement, mais nous-mêmes nous essayons de vendre l'autre image de question avec action. Côté exceptionnel là, Junior Louis Jean Clovel fait qu'on est livré un ancien roman qui parlait sur sujet qui a un rapport avec la société. Il mettait en phase sur un monde qui a raconté les leçons tirées sur chaque relation. Livre exceptionnel là sorti en Balabel édition des Antilles. Écrivain deuxième livre là, le maire Rafaela déclaré à la croisée d'un cœur en fuite, c'est une auto-édition qui traitait plusieurs thématiques tant que famille et passion. Donc moi inspiré dans entourage moi dans la vie au quotidien. Donc c'est là que moi puise inspiration à part de l'autre
activité que moi fais, que moi j'ai une inspiration moi là-dedans. En dans livre ça, moi dressé portrait un jeune Jacmelienne, une jeune femme d'aujourd'hui, qui capable que moi-même tout moi retrouver dans personnage principal moi hein, qui c'est Maya Amboise. Donc c'est un monde qui en dans livre ça que moi développé plusieurs thématiques là-dedans qui c'est là-dedans qui c'est famille, qui c'est passion. Donc en dans le ça, on est capable de retrouver essence et me capable m'exposer là dans toute complexité qui gagne pour sentir ou même. Donc c'est ensemble de ça que me parler en dans le ça. Au théo fait qu'on est, les vieux bras disponibles dans plusieurs librairies dans capitale là. Nous toujours sur télévision nationale d'Haïti, merci pour fidélité et attention. N'a pas poursuivre avec information, n'a fait qu'on est. DJ international là Alex Anif, en pile monde connaît sous nom DJ Oso City, rentré dans pays à mercredi 19 février 2020 dans quatre deuxième édition programme affiché là qu'a fait vendredi 21 février. DJ Oso City qui rentré pour première fois dans pays à fait non dans différents styles musique. Takou dance all reggae soca pour citer ça au seulement. Plus détails dans micro Saïd Antoine avec Emmanuel Turin. Le fait de son avion que le soleil a frappé, le chaleur a frappé, que je sentais que vraiment bon, bon énergie, que le pari pour le plaisir, pari pour le bel dans prestation. Ok, connexion c'est en vérité, en Floride du Sud, c'est une zone qui charge, charge haïtien. Première musique qui est en train de se faire, c'est musique à Rencarré, qui c'est chocolat. C'est depuis ça que j'ai commencé à voir que j'ai vraiment bon point d'attirance pour la qualité de la musique. On a dernièrement un ami qui fait l'altan de ça nous les rabodais borisien et puis même toutes amis tout puis bons amis haïtiens ça veut dire culture haïtienne toujours son bagage que la pour côtoyer chaque jour attendu avec vraiment belle ambiance côté tout bagage en pile énergie les même tout la font paquet de surprises tout le monde supposé vraiment motivé pour venir en fête là. Hey pas d'avoir oh c'est Joël. Mes amis! Oh! Ti Joël, où est-ce que vous avez une lumière rouge, c'est pour piétons. Machine campée, laisse tout le monde traverser. Mais là, la lumière verte, c'est pour machine. Machine montée, machine descendre, monde campée, bye machine passer. Et pour apprendre à garder la lumière, vous avez traversé la rue. Où est-ce que vous avez aujourd'hui? Respectez les règlements de la circulation. C'est normal. La loi est dure, mais c'est la loi. Cassandra, Julia, Jessica, ces trois jeunes étudiants qui gagnent pile passion pour musique, surtout pour rap et compas. Trois jeunes mesdames Sayo gagnent habitude, marcher dans la rue avec téléphone, castant oreilles, chatter avec amis, sans ne pas avoir aucune attention avec monde qui est dans l'environnement. Cassandra, Julia, Jessica, pas de jambes penser un jour à mal qui t'a arrivé dans la vie. Voilà. Est-ce que vous même tout pensez à conséquences ça a gagné sur la vie ou l'on choisit utiliser téléphone n'importe qui façon pendant la rue? On suspend mauvaise habitude ça yo pendant utiliser téléphone. Si un message Radio Télévision Nationale d'Haïti avec Zoom Entertainment. Administration américaine à travers Bureau Fédération Investigation remet autorité l'État haïtien environ 460 pièces archéologiques. Dans une cérémonie restitution yo tanmen vendredi 14 février dans bureau national ethnologie
Plusieurs dignitaires comme ministre Kilti à communication, Jean-Michel Lapin, ambassadeur américain non en Haïti, Michel Sisson, directeur adjoint Fédération Bureau Investigation, Michael Nordwell, directeur BNEA et Roger Josué, t'es présent pour occasion. Nous suivons un reportage avec Saïd Antoine. Vol et trafic bien culturel, c'est une des plus anciennes mauvaises pratiques dans le monde. Il débouchait sous diminution valeurs religieuses, culturelles et historiques en paix. Michael Nordwell, directeur adjoint Fédération Bureau Investigation FBI, a dit non plus sous enquête qui menait rapatriement Zevzayo. À la fin de l'année 2013, le FBI a reçu des informations selon lesquelles un collectionneur vivant dans l'Indiana rural avait amassé une immense collection d'objets culturels, tant aux États-Unis qu'à l'étranger. La plupart des pièces de cette collection avaient été soit volées, soit pillées. Au cours des six mois suivants, l'équipe des crimes liés aux objets d'art a investigué les plaintes et déterminé que cette personne avait accumulé une collection immense. Forte de plus de 42 000 objets historiques, cette collection représentait la culture matérielle des États-Unis et du monde. C'était la première fois que l'équipe des crimes liés aux objets d'art faisait une telle découverte. En accord de coopération avec le collectionneur, le FBI a mené une fouille de six jours. Cette opération a eu comme résultat la récupération d'environ 5 000 objets et des restes humains d'environ 500 personnes. Directeur Bureau National Ethnologie, Erol Josué, et Premier ministre, qui est ministre Kilti et Communication en tout, Jean-Michel Lapin, salue travail, gestion et détermination, équipe qui rapatrie Zev Sayo. Madame l'ambassadrice, et tout le peuple américain, au nom du gouvernement haïtien, je vous suis très reconnaissant. Je vous dis encore merci et bonne continuité à nos relations d'amitié. Notre vœu en ce jour de joie et de célébration, le retour chez eux de nos enfants, porteurs du souffle des ancêtres, et ce que cette pulsion qui nous rassemble et nous fait vibrer de l'émotion des retrouvailles nous engage à développer d'autres projets à haute valeur patrimoniale et éducative. 479 pièces d'ayo qui viennent augmenter la richesse patrimoine culturel haïtien a bien pour été dans le bureau ethnologie selon le ministre. Nous revenons en fin de journal là. Merci parce que vous êtes branché. Avant nous aller, nous rappeler au grand titre nous avons pour vous asseoir. Gouvernement américain remet par le pays d'Haïti yon lot pièces archéologiques avec citoyens américains te possédé illégalement. C'est le Bureau national ethnologie qui recevoit 400 pièces sa yo dans la présence du Premier ministre Jean-Michel Lapin. Matériel archéologique sa yo doit reconserver dans le Bureau national ethnologie. Focal, la collectif de dé présenté vendredi 14 février dans exposition sous thème Casal, mémoire de massacre sous Duvalier, une approche photographique pour commémorer massacre qui était fait dans la localité ça depuis 50 l'année. DJ international Alex Anif, en pile monde connaît sous nom Didier Osso City, rentré dans pays pour première fois mercredi 19 février. Dans la deuxième édition du programme affiché, Captain May, vendredi, Cap Vinila. Nous sommes contents pour l'information pour vous. Toujours songez brancher la télévision nationale d'Haïti. Bye bye tout le monde, à demain.